dimanche, le Biganos Rugby 15 recevait le RC Villenavet au stade de la Verrerie. Si l'équipe réserve semblait dominer son sujet en menant 16 à 10 à une minute de la fin, elle va décider de jouer une pénalité à la main dans les ultimes secondes de jeu. Coup du sort ou précipitation, les jeunes réservistes font un en avant malheureux et vont se voir asséner le coup de grâce sur la mêlée suivante par un essai assassin qui sera transformé, sonnant ainsi la fin du match et une défaite au goût amer 16 à 17 pour nos verts. C'était ensuite l'heure pour les équipes premières de faire leur entrée sur le terrain. Et si les visiteurs sont venus pleins de bonnes intentions, les Boyens vont donner le ton dès l'entame du match en inscrivant un essai de 80 mètres. S'engage ensuite un combat qui tourne légèrement à l'avantage du RC Villenavet à la pause. Mais leurs espoirs seront de courte durée, puisque les locaux vont prendre le large en deuxième période pour finalement s'imposer 37 à 26 dans un match engagé jusqu'à la dernière seconde. Une victoire méritée pour le 15 Boyen qui retrouve ainsi la troisième place au classement avant la trêve. Ben ouais, forcément on se sent bien, il y a la victoire qui est au bout, on remonte dans le top du tableau. Ensuite c'était un match compliqué pour nous, au niveau de la deuxième mi-temps on a très bien entamé, on est remonté au score, on aurait passé devant pas mal de points, au moins une vingtaine de points. Après on prend deux essais à la fin, ça tâche un peu le tableau mais la victoire est là donc forcément on se sent bien. Voilà, on devait gagner avec la manière. Bon, il manque encore quelques ingrédients puisqu'on n'a toujours pas digéré cette défaite contre Pessac à la maison en ouverture de championnat. Et ça rend un petit peu fébrile les joueurs, le temps de mettre qu'ils se libèrent et qu'ils mettent en place leur jeu. Voilà. Oui, on a toujours gardé depuis l'année dernière cette envie de produire du jeu, d'avancer, et voilà, on règle quelques détails et ça avance de mieux en mieux. Oui, oui bien sûr, c'est quelque chose qu'on travaille à l'entraînement. Ce volume de jeu, c'est forcément voulu, c'est travaillé. Nous, l'année dernière, on pêchait surtout au niveau des avants et cette année, c'est notre point fort. Enfin, en tout cas, moi, je pense que c'est notre point fort. On met un groupé pénétrant de 30 mètres. Donc voilà, c'est le style de jeu qu'on fait cette année, qu'on aime, je pense que la manière arrivera et on le fera tout au long de la saison. Voilà. Très bel adversaire. Ils ont été vraiment très en place au début, très agressifs, surtout devant. Du beau combat, ils avaient de belles techniques où on prend quand même deux essais devant en première mi-temps et un troisième en deuxième mi-temps. Donc oui, une très très belle équipe. Alors, je rebondis sur ce que dit Taiki. C'est vrai que c'est une équipe vraiment intéressante, qui connaissent un peu qui connaissent le niveau de la première série, là, qui ont un beau pack, qui jouent devant, avec des grands en touche et de la densité physique, et qui lâchent pas, puisque jusqu'au bout, ils nous mettent la pression sur la ligne. Alors là, on a une trêve de 15 jours, et après, on se déplacera à Ichoux. Donc bon, on espère un résultat là-bas, c'est sûr, 15 jours pour le travailler, voilà, avec de retour des blessés. Ben oui, bien sûr, toujours fidèle, on est sur le stade de la Verrerie. Aujourd'hui, il n'y avait pas forcément un temps adapté pour les supporters, mais bon, ils sont venus nombreux tout autour de nous, on les remercie de nous suivre tous les week-ends et d'être fidèles à ce 15 Boyens. Merci tout le monde. Nous sommes les Boyens et nous avons gagné pour l'amour du maillot. Allez, allez, oh, allez, allez, oh.